Bonsoir mes Capricornes, c'est Nati, j'espère que tout le monde va bien. Alors, petite annonce importante, maintenant, quand je vous avais en consultation en privé, quand vous preniez rendez-vous avec moi par mail, c'était uniquement par téléphone ou WhatsApp, hein, bien sûr. Et ben là, en fait, je rajoute un nouveau format par vidéo, c'est-à-dire... Alors, je continue les consultations par téléphone, bien évidemment, parce qu'il y en a qui préfèrent, mais il y a des gens qui ne sont pas à l'aise au téléphone. Hein. Et il y a des gens aussi qui sont pressés et que, voilà, des fois, ben, ils préfèrent commander une vidéo. Donc, on peut commander sa guidance. J'ai mis deux formules. La première formule, c'est deux questions par rapport à un domaine. La troisième, c'est cinq questions, je crois, par rapport à trois domaines, il me semble. Mais vous avez tout ça sur mon site professionnel. En dessous, en bleu ciel, vous avez le lien. Vous cliquez dessus et vous accédez à mon site et vous allez le voir. Hein, allez-y. Donc, et c'est mieux aussi pour certains. En tout cas, il y a des personnes qui sont pressées. Il y a des personnes qui préfèrent revisionner la vidéo plus tard. Voilà. Ils la voyaient une fois et puis dans une semaine, par exemple, ils peuvent la revoir. Ils ont la vidéo. Voilà. Une fois que vous l'avez, elle est à vous et c'est privé, bien sûr. Et donc, je vous envoie la vidéo. J'enregistre, au lieu de vous avoir au téléphone, j'enregistre la guidance hein, et je vous l'envoie. Donc, après, il y a un délai. J'ai marqué entre 24 et 48 heures. Sachez-le parce que ça peut varier selon les commandes, selon mes journées. Voilà, si j'ai trop de travail ou pas, vous voyez, ça dépend. C'est comme partout, en fait. Hein. Il y a des jours où c'est plus calme, il y a des jours où c'est speed, quoi. On est surbooké et tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai marqué entre 24 et 48 heures. Hein. Alors, donc, on va regarder un petit peu cette guidance. Elle est du 21 au 30 novembre. Regardez pour mes Capricornes ce que j'ai en général. On va faire le sentimental célibataire à part et en couple, en relation. Et puis, prenez que ce qui vous parle, c'est une générale. Merci pour mes anciens qui sont toujours là. Je vous fais de gros bisous et les nouvelles personnes également. Merci pour votre abonnement. À droite, il y a cette petite cloche. Il faut aussi l'actionner. Et puis, merci pour vos commentaires et vos pouces en l'air. Allez, merci de liker cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu, mes chéris. Merci. Alors, on va regarder. Mes Capricornes, on a quoi? Alors, j'en ai certains, vous voulez bien faire les choses pour vous, mais pour vos proches aussi. Ensuite, vous êtes dans le doute, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas quoi choisir, il y a plusieurs options. Hein, ça, c'est possible. Exemple, je dis un exemple, là, même si ce n'est pas ça, c'est juste un exemple. Par exemple, il y a deux opportunités, deux offres d'emploi, vous ne savez pas laquelle choisir. C'est ça, en fait. Hein. Donc, ensuite... Mais on va se sentir bien avec les nôtres. Donc là, on ne veut pas se tromper, évidemment. Donc, il va falloir réfléchir sereinement et faire le bon choix. Parce qu'on était dans les manques et on ne veut plus être dans le manque. On ne veut plus se tromper et on ne veut plus vivre ça. Hein. Alors, les manques, ça peut être manque d'argent ou manque de travail. Ou manque, par exemple, au niveau de l'affectif, au niveau du sentimental. Ça peut être beaucoup de choses. On est dans la perte, le manque, dans le juste. On va pas bien. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Ouais, super, mes Capricornes. Ouais, mais là, vous reprenez votre souveraineté, votre place, votre force. Hein, ça y est. Hein. Et puis, elle, la reine de dragon, de bâton, elle attire à elle ce qu'elle a envie, hein, ce qu'elle souhaite. Hein. Donc, moi, je préviens pour certains, on peut vous proposer un poste. Et là, il va falloir réfléchir. Pour d'autres, il va falloir faire la balance, le pour et le contre. Qu'est-ce qui vous correspond au mieux? Qu'est-ce que vous préférez? Pour d'autres, ça peut être quelque chose qu'on attire à soi et on réussit. Hein. C'est bien parce que vous avez été persévérant et persévérante. Hein. Vous êtes battu, vous n'avez rien lâché, hein, certains de vous. Hein. Ouais, là, ici, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine par rapport à l'avenir, mais de positif. Hein. On a envie de nouveaux horizons, on a envie d'extension, on a envie d'avancer, c'est tout ça. Hein. Vous allez être déterminé, dites-moi. Hein. Je le vois. Hein. Ouais, c'est pas facile parce que pour certains,
Il y a de la concurrence dans l'air, ça peut être au niveau du travail, des collègues, ça peut être au niveau, bah, par exemple, que vous n'êtes pas seul sur l'affaire, ça c'est possible, ou vous n'êtes pas seul par rapport à un poste, par exemple, ou un emploi, une place, c'est possible. Mais sinon, ça me parle aussi au niveau du sentimental, il peut y avoir des triangulaires, une tierce personne, hein, qui s'intéresse à votre hôte ou à vous, hein, ou que c'est vous qui s'intéresse à quelqu'un d'autre ou votre hôte, on va voir plus tard. Ouais, ça vous bloque, ça vous fait réfléchir. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix et qui ne sait pas trop, qui est dans la confusion. Roue de fortune, le changement arrive dans votre vie, mais ça ne m'étonne pas, en centrale, vous avez la reine de bâton. Il y a un truc qui change. On va vers un mieux parce qu'on va laisser les problèmes, les soucis, on va trouver des solutions et on va vers un mieux. Ça, c'est super. On est dans l'action, hein, dans le changement. Ouais, donc pour certains, ici on vous parle d'une grosse somme d'argent, et il y a toujours le choix, hein, regardez, hein, on est indécis, on ne sait pas trop comment faire, quoi faire, voilà. Après ça peut être deux personnes qui se séparent et qui vivent une séparation ou un divorce, un partage. Hein. Pour d'autres, c'est possible que vous avez des actions en justice, prud'homme et tout ça, et que vous attendez l'argent en fait, hein, d'accord ? Alors, on va voir de suite, mais soit c'est une grosse rentrée d'argent ou soit c'est une sortie, hein, parce que si vous devez acheter un bien immobilier, il faut sortir l'argent, c'est logique, c'est un exemple. Hein. Ou alors, écoutez, si vous avez porté votre employeur au prud'homme, en fait, il est question d'une somme d'argent, hein, même si eux, peut-être que ils se défendent là, c'est possible qu'ils soient coriaces, mais ne lâchez rien. Alors, on va regarder... Je me fais de la place. On va regarder les célibataires. Après, je regarderai mes couples ou en relation, si vous estimez que vous êtes en relation avec la personne. Parce que des fois, il y a des gens qui sont en triangulaire, vous voyez. Donc, si ça ne vous parle pas, ok, vous laissez tomber. Mais ça peut parler à quelqu'un. Surtout ici, moi, quand je vois la concurrence, on va voir. Il y a la crise, on est dans les doutes, on réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions, trop de questions. Ça a assez duré, ça fait un moment. Par rapport à l'été dernier peut-être, ou alors par rapport à un cancer lion-vierge. Peut-être que vous vous demandez si... Ou alors il se passe quelque chose, ça ne va pas du tout depuis l'été dernier. Est-ce que... mes célibataires, vous êtes célibataire peut-être depuis l'été dernier ou vous vous prenez la tête par rapport à une personne que vous avez connue ou que vous étiez l'été dernier avec et que vous avez envie de la revoir peut-être, cette personne. Et c'est quand même la crise ici. Hein. Ouais. Ouais. Bon, y a une trahison ici. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans l'épreuve, mais on va vers un amour véritable. Vous allez faire la rencontre d'une personne, d'un amour sincère. Bon, pour l'instant, vous êtes dans l'épreuve par rapport à un ex ou une ex qui a pu vous tromper ou vous dire des mensonges ou une trahison ou une tromperie ou alors des fausses promesses. Enfin, c'est tout ça, hein, d'accord ? Et là, on est dans l'épreuve, on est célibataire, effectivement. Vous avez hâte d'en sortir et là, on vous dit que prochainement... Ça, là, c'est on voit le bout du nez, on va dire. Hein. Prochainement, il y a une rencontre, hein, d'accord ? Donc, restez positif. Vous, parce que moi, pour moi, c'est le consultant, la consultante. Hein, vous avez les deux polarités, donc c'est vous. Ça vous représente vous. Et regardez quelle carte s'est retournée. Et j'en ai une autre. Ouais, on est dans l'épreuve. L'autre portait le masque. Après, c'est possible, moi je dis l'autre, mais c'est possible que ça soit vous qui avez fait endurer ça à votre ex. Hein, et donc, c'est à vous d'adapter. Et moi, je vais dire que c'est l'autre. Donc, l'autre portait le masque du mensonge, de l'adultère, de la tromperie, des fausses promesses et tout ça. Porter un masque n'était pas tel que elle ou il vous a montré. Son vrai visage, non, cette personne, en fait, n'était pas sincère. Il y a de la malhonnêteté.
Et là, vous allez vous élever avec une nouvelle personne. Bah, c'est beau ça! Yes, j'adore! Ok, bah écoutez, c'est super. On va voir, prenez que ce qui vous parle, bien sûr. On va voir, mes chéris. On va voir au niveau de mes couples. Waouh, on est avec une personne toxique. Alors, vous aimez cette personne, mais cette personne a des problèmes. Elle est toxique. Ou alors, elle utilise des stupéfiants, de la drogue, médicaments, alcool, mélanger tout ça. Bon, bref. Ou alors, j'ai un autre cas de figure ici. Ici, il faut penser à vous, hein, mes chéris. Parce que vous aimez cette personne, mais cette personne, elle a des dépendances. Hein. Après, c'est possible aussi que ça soit vous. Pas que, en fait, vous l'aimez, que vous êtes persuadé que vous êtes fait l'un pour l'autre pour toute votre vie, pour que ça dure, mais qu'il y a besoin de transformer quelque chose ici. Ça peut être de la dépendance affective. Peut-être que l'autre ou vous, vous êtes trop dans la dépendance affective. Hein. C'est comme si on était trop sur l'autre et l'autre étouffe, hein, n'en peut plus. Hein. Il faut lâcher prise là. Hein. Il y a besoin d'aérer. Hein. Moi, j'ai une personne, vous êtes avec une personne qui est dans les vices, qui est pas réglo, et j'ai l'autre qui est par contre fidèle, hein, voilà, qui est fidèle, qui aime, qui essaye de tenir bon, qui espère la transformation, que cette personne, que votre autre va changer, mais cette, ouais, vous êtes dans l'espoir en fait. On va voir. Moi j'ai un couple en crise, la séparation. Alors soit l'autre vous parle de séparation, ou alors c'est vous qui pensez à la séparation. Malgré que vous l'aimez cette personne, que vous y êtes attaché, là on vous demande de faire un choix et de penser à vous en fait. Vous prenez la tête, hein, vous essayez de savoir qu'est-ce qu'on vous cache aussi, qu'est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a une tierce personne ou pas, vous voyez. Après, moi j'ai quelqu'un qui a peur de la rupture. Moi, j'ai l'impression que vous êtes. Alors, ça, c'est un autre cas de figure. Vous êtes avec une personne qui est prise et vous avez peur de la rupture. Ou alors, vous vous rendez compte que ça ne rime à rien, que tout ça a été faux, mensonge, que cette personne, en fait, au niveau de vous deux, votre relation, elle ne quittera pas l'autre, son autre. Et donc là, il y a un choix à faire important. Et là, on vous demande de vous choisir vous, en fait. Pourtant, au début, vous vous êtes dit, c'est mon âme sœur. Peut-être que l'autre aussi vous a dit, tu sais, tu comptes beaucoup pour moi, tu es l'amour de ma vie, tu verras, je vais le quitter, je vais la quitter, qu'en fait, les mois ont passé ou les années, et en fait, il n'y a rien qui bouge. Vous voyez, vous pensez à la rupture ou l'autre, hein, peut-être. Hein, et là, vous aurez le bon raisonnement. Il y a un choix à faire. Hein, choisissez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Parce que cette personne, elle est malhonnête. Tic-tac, on a le temps, en fait, ça a assez duré, c'est ce qu'on vous dit. Et pour bientôt, en fait, il va falloir faire ce choix. Peut-être que justement, que si ça se passe mal avec cette personne, va pas continuer 2023, ne pas continuer une autre année comme ça, vous voyez. Parce que vous essayez de vous défendre, de tenir bon, de tenir le coup, mais comme au milieu, carte centrale, j'ai la malhonnêteté, la ruse et tout ça. Ne tombez pas dans son piège et dans ce que cette personne, elle vous raconte. Et vous vous prenez la tête, hein. Vous réfléchissez beaucoup. Et là, vous cherchez une issue, en fait, hein. Il y a un choix à faire. Il faut prendre une décision avec en son âme et conscience. Mais vous l'aurez, la sagesse et le bon raisonnement, c'est ce qu'on vous dit. Pensez à vous dans l'histoire. Voilà, mes chéris, prenez que ce qui vous parle, c'est une générale. Et puis, si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée, vous avez tout en dessous de la barre d'infos. Vous avez mon mail pour me contacter.
Et vous avez mon site pour les formules, les tarifs, il y a tout dessus, même pour le rituel ancestral. Si ça peut vous aider, il n'y a pas de problème. Voyez si ça vous correspond et puis vous me contactez par mail. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne soirée. Et prenez soin de vous. À bientôt, bisous mes Capricornes.